Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi. Psaume 118, strophe 10, page 209. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. T'es fixé, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité, que ton amour me
soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte au superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Psaume 19, page 53. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia! Je suis le rejeton de la lignée de David. L'étoile radieuse du matin. Un astre s'est levé en Jacob, un homme né en Israël, alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qui les exaucent. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il tombe. Nous debout, nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Et réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Un astre s'est levé. Psaume 20, page 54. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix.
qui a mis sur sa tête une couronne de feu. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère et le feu les avalera. Leur fruit tu ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûrir le pognon par le dessus? Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez comme la rose plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalé une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. De Constantin Andronikov. La fête de la Théophanie dans la tradition orthodoxe. Cette fête, célébrée le 6 janvier et préparée depuis 4 jours, l'épiphanie de l'Occident, est aussi celle du baptême et celle des Lumières. Ce que l'Annonciation avait dévoilé et posé en germe, ce que Noël avait entrepris, la Théophanie continue de le réaliser. Après être né dans la chair,
Dieu se révèle et commence à renouveler le créé. C'est le jour où il accorde à l'homme de reprendre sa dignité de fils, au monde de redevenir l'Éden. C'est le jour où nous apprenons qui est Dieu et ce qu'il entend faire parmi nous, assumer l'humain, vaincre le mal, régénérer le monde, rétablir la liberté. Ce sont des œuvres, non pas de contraintes, mais d'amour. Aujourd'hui, le Créateur manifeste qu'il est le maître bon de l'univers, qu'il veut le sauver par un sacrifice, non d'une créature, mais par celui de son propre Fils, qui est aussi lui. Il démontre en outre que dorénavant, la matière même de l'univers peut porter son souffle et triompher ainsi de la corruption et de la mort. Comme le chante la liturgie, en quittant Bethléem, cette merveille glorieuse, courons la mardante vers le Jourdain. Et là, voyons un mystère formidable. Mon Christ dénudé se dresse divinement et il me couvre du vêtement du royaume céleste. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de l'octave de l'Épiphanie. Et tout au long de cette semaine, la liturgie va déployer toutes les harmoniques de ce mot « épiphaneia » en grec. Révélation, apparition, révélation soudaine de l'événement de Bethléem. Mais de quelle révélation s'agit-il ? Aujourd'hui, le Seigneur est manifesté. Dieu ne nous envoie pas un texto, un mail, ne dresse pas une pancarte sur le bord de la route ou dans une manifestation pour se faire entendre. Son message n'est pas statique. « Je vous informe que Jésus est né ». Mais il produit un événement qui appelle, qui met en route, qui sollicite une relation, un dialogue. Exactement comme l'épiphanie vécue par les bergers la nuit de Noël. Ils vivent un événement, une rencontre, une découverte à un moment précis qui va les entraîner vers une découverte plus grande encore. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu est amour. Loin d'une affirmation sucrée, Saint Jean nous lance un avertissement. Si tu veux faire cette découverte, aller jusqu'au bout de ce que Dieu t'invite à vivre, c'est-à-dire lui-même, ne continue pas ta lecture si tu ne reconnais pas que tu as besoin d'apprendre à aimer. En effet, qui peut dire qu'il est allé au bout de ce commandement ? Et en fait, c'est une très bonne nouvelle. Parce que les scribes et les docteurs de la loi de Jérusalem pensaient connaître Dieu, ils ne se sont pas déplacés. Pas besoin. Pas besoin de rejoindre ce lieu où l'admirable échange se fait, qui n'est autre que le lieu du cœur. Le lieu où l'on connaît, au sens que Saint Jean donne à ce mot. Le lieu où l'on connaît que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Là où la greffe de la divinité dans l'humanité peut prendre, au creuset de notre impuissance, là où la vérité de Dieu rencontre la vérité de l'homme nu sur une croix, là où l'homme peut s'abandonner en vérité à cet amour qui le précède, là où se rencontre une vérité qui était avant que je sois, vérité qui s'est rendue présente à ce qui n'était pas en l'épousant, afin que je sois par ce qu'elle est et m'offre une raison d'être. Oui, hors de l'amour, rien ne vaut le coup, rien ne persiste. Seul l'amour porte la vie, l'être, l'éternité. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Saint Jean veut nous faire passer du mystère de Noël au mystère de Pâques. Mystère d'une misère qui devient une chance pour l'homme. Mystère d'un péché avoué, donc désavoué, qui devient une misère qui appelle la miséricorde de Dieu. Regardons ensemble ce tableau de l'adoration des mages sur votre gauche, et notamment le personnage au premier plan. Ce vieux roi, bouleversé par la rencontre d'un regard d'une intensité inouïe, qui laisse tomber à terre tout ce qui, pensait-il, faisait sa royauté. Puissance, richesse, pouvoir, il n'en a plus besoin. Il a trouvé mieux. Plus rien ne l'empêche de se mettre à la hauteur de celui qu'il adore. Devenu petit enfant, il ne vit plus pour lui-même. Il est né de Dieu. Dieu nous sauve en se faisant tout petit. Ce qui veut dire que c'est par attraction que Dieu nous rend humbles pour nous faire devenir
Dieu. Comme le dit la magnifique oraison de la messe du jour, Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui doivent quitter leur pays à cause de la guerre, qu'ils trouvent en ton Fils la force de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux dont l'amour et la dignité ont été bafoués, qu'ils découvrent en toi le Dieu amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui n'arrivent pas à pardonner, en particulier dans les familles, qu'ils puisent en toi la source de miséricorde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de pitié de nous.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes.